Élise Mukashefu est une éleveur professionnelle depuis bientôt 6 ans. Chaque lundi et mercredi, cette ancienne éducatrice se remet à enseigner sous l'ombre de sa ferme, mais cette fois-ci avec des étudiants très particuliers, des éleveurs traditionnels qui veulent devenir des professionnels de l'élevage moderne de volailles. Ici, on leur apprend comment construire un bon poulailler selon le budget de chacun, comment choisir ses poussins, comment préparer une bonne nourriture pour le poulailler, comment et quand administrer les différents vaccins et médicaments et la recherche du marché. Ces étudiants viennent de tous les coins du secteur d'Ogataraga au nord du Rwanda. Tous les âges confondus, ils ont été inspirés par le parcours de leurs voisines et viennent prendre des cours pratiques dans sa ferme. Pour une durée de 2 mois minimum, ces éleveurs apprennent gratuitement tout de l'élevage moderne des poules pondeuses ou les poulets de chair. Je connaissais Élise comme une éleveur de poules, mais je ne croyais pas que je pouvais avoir les moyens de faire l'élevage moderne comme elle le fait. Lorsqu'elle est venue me dire qu'elle peut m'apprendre les techniques modernes gratuitement et comment commencer petit, je n'ai pas hésité. Je compte commencer avec 100 poussins et je crois que ça ira bien et qu'un jour, je pourrai avoir une grande ferme et prendre soin de ma famille. Mukashefu a déjà aidé près de 100 éleveurs et ne compte pas s'arrêter. La formation de milliers d'éleveurs dans tous les districts du pays fait partie des objectifs du projet d'amélioration de la chaîne de valeur pour l'élevage du petit bétail au Rwanda. Le projet vise, entre autres, à augmenter les revenus des éleveurs par la qualité et la décentralisation des services aux éleveurs. Une somme de 45 millions de dollars américains sera injectée dans ce projet sur une période de 5 ans.